Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Moi, mon nom c'est Asher Manono. Je suis un Africain qui vit dans la diaspora, plus précisément aux États-Unis. Dans la journée d'aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui se passe dans le monde. On va faire un genre de réflexion. Parce que dernièrement, on venait déjà de dealer avec le COVID, la situation de COVID. À peine on est en train d'essayer de s'en sortir, le monde est en train de nous imposer maintenant une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, on va un peu parler de ça dans l'épisode d'aujourd'hui, mais surtout, on va parler de l'impact sur l'Afrique. Parce que si vous êtes en train de suivre ce que les Africains sont en train de dire maintenant, la position de l'Afrique ou bien l'attitude de l'Afrique maintenant, c'est quelque chose qui est en train un peu de me choquer. Je trouve que les Africains sont un peu distraits autre part au lieu de se focaliser sur ce qui est important. Et c'est de ça qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est un sujet qui vous intéresse, restez branchés.
Alors encore une fois, salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. D'abord, je vais commencer encore une fois à dire merci à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont subscribe, tous ceux qui ont liké. Je vais vous dire merci encore une fois. Merci à tous ceux qui n'ont pas encore liké ou bien qui n'ont pas encore subscribe à la chaîne. Please, 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 subscribe, like et faites le même avant de commencer. Et c'est comme ça que vous allez show votre support sur la chaîne. Donc, comme je disais, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est vraiment une guerre d'influence. D'un côté, vous avez l'Ouest, vraiment qui est l'idée par les États-Unis, qui est en train d'essayer de pousser son influence vers la Russie. Et vous avez la Russie d'un côté qui est en train d'essayer de se protéger. Le problème ici maintenant est que, au lieu de trouver une autre solution à ce problème, vous vous rappelez, je vous ai dit avant, dans un autre épisode, que ici aux États-Unis, ils avaient fait passer une loi. Et dans la loi, ce que ça disait, c'était que les corporations, les entreprises sont des personnes. Les corporations ont les mêmes droits que les personnes. Et l'un des dangers, c'est que les gens étaient en train d'essayer, c'est que les gens étaient en train de craindre quand cette loi est passée avec Citizens United. Ce que les gens étaient en train de craindre était l'influence des corporations sur les économies ou bien sur les policies, sur les lois des pays. Les gens étaient en train de craindre que les corporations, avec tout leur argent, ils soient en mesure d'influencer maintenant les politiques des pays d'une façon que les populations qui sont un peu pauvres ne peuvent pas vraiment faire compétition. Donc, vous aurez un agenda qui est vraiment un agenda qui est basé sur les entreprises, les grandes corporations, et la voix du peuple ne sera pas vraiment entendue. Donc ça, c'est quelque chose que les gens sont en train de craindre quand cette loi-là est passée. Et maintenant, vous êtes en train de voir ce qui est en train de se passer en Ukraine. Ce conflit entre la Russie et l'Ukraine est un conflit qui peut se résoudre de plusieurs façons. Les guerres que vous voyez dans ce monde, les guerres qui nous sont imposées, sont maintenant devenues des guerres économiques. Pourquoi elles sont devenues des guerres économiques? C'est parce que l'influence des entreprises, l'influence des lobbies, c'est ça maintenant qui est en train de diriger ou bien de guider certains gouvernements. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire dans le conflit de la Russie et l'Ukraine. Parce que ce conflit de Russie et l'Ukraine, ça peut se résoudre d'autres façons. La solution n'a pas besoin d'être des sanctions. Parce que quand vous commencez maintenant à introduire les sanctions dans le problème, les guerres maintenant deviennent vraiment des guerres économiques. Et c'est là maintenant que l'Africain doit maintenant se réveiller et réaliser maintenant que nous sommes en pleine guerre économique maintenant. Si vous êtes en train d'attendre de savoir qui va gagner la guerre entre la Russie ou bien l'Ukraine, ou bien entre la Russie ou bien les États-Unis, vous êtes dans le mauvais débat. Ça, c'est pas le débat. Vous devez penser, les Africains doivent maintenant penser à l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique va gagner de tout ce qui est en train de se passer maintenant? Et moi, je suis en train de réaliser que les Africains sont un peu distraits. D'un côté, vous avez des Africains qui se plaignent des prix des produits qui sont en train d'augmenter. Et de l'autre côté, vous avez des Africains qui sont en train de demander plus de production locale. Mais la réalité, bon, politiquement, vous avez des Africains qui disent qu'ils doivent soutenir soit la Russie ou bien soit les États-Unis. Mais en réalité, il y a un plus grand problème ici qui est en train de se poser. Et les Africains ne prêtent pas vraiment attention à ce problème. Ce conflit entre l'Ukraine et la Russie peut se résoudre de plusieurs façons. Il y a une façon militaire. Et la façon militaire, c'est la façon la plus rapide de déclencher la guerre mondiale. Et même les États-Unis, si vous êtes en train de suivre ce que le président est en train de dire, il dit que les Américains ne vont pas intervenir dans ce conflit. On ne va pas envoyer l'armée américaine dans ce conflit. Parce que si vous envoyez l'armée américaine dans ce conflit, ça veut dire que vous voulez vous lancer maintenant dans la Troisième Guerre mondiale. Et ça, c'est quelque chose que les États-Unis ou bien le monde n'est pas encore prêt à accepter. Mais dans une guerre économique entre la Russie et l'Occident, c'est qui maintenant qui va gagner dans cette guerre? Si vous regardez maintenant comment le monde est composé, vous avez d'un côté vous avez les États-Unis. Les États-Unis produisent beaucoup, ils sont quand même indépendants à un certain niveau. Ils ne dépendent pas vraiment de l'Europe, ils peuvent vivre d'eux-mêmes. L'Europe, par contre, eux, ils dépendent plus des produits qui viennent de l'Ukraine et ceux qui viennent de la Russie. Et nous, les Africains, nous dépendons de tout le monde. Non seulement on dépend de l'Europe, on dépend des États-Unis, on dépend de la Chine, on dépend de tout le monde.
Donc, dans cette guerre ici où l'Europe n'arrive pas à se retrouver, où les États-Unis sont en train d'interdire l'Europe et tous les alliés à dealer avec la Russie, où la Russie s'est isolée, cette guerre ici maintenant, ça a maintenant des retombées sur l'Afrique. Et les Africains maintenant, c'est quoi votre attitude maintenant dans tout ce qui est en train de se passer? Vous, si vous êtes en train de croire que la Russie va perdre cette guerre et vous allez gagner parce que vous êtes du côté de l'OTAN, vous avez mal raisonné ce problème. Parce que le problème ici est que la Russie est. Il y a une dépendance, le monde dépend de la Russie. Les guerres économiques, les sanctions, la raison pour laquelle les sanctions ne fonctionnent pas, ou bien la raison pour laquelle les sanctions ne marchent pas, c'est parce que vous ne pouvez pas sanctionner un pays à moins que vous-même vous soyez complètement indépendant. Si vous êtes un pays qui est vraiment indépendant, vous dépendez de personne, alors là, les sanctions ne vont rien vous faire. Mais dans le monde actuel, la plupart des pays dépendent d'autres pays. Et si vous, maintenant, vous êtes les pays de l'Occident, bien les pays de l'Ouest, et vous décidez maintenant de sanctionner la Russie. Si vous sanctionnez la Russie, il y a beaucoup des ressources premières qui sont en Russie que vous dites au monde ou bien à vos alliés de ne pas toucher. Maintenant, vous croyez que toutes ces ressources-là que l'Europe ne va plus toucher de la Russie, d'où ces ressources vont venir? C'est pas comme si les ressources de la Russie, vous pouvez trouver ça partout. La Russie a beaucoup de gaz, ils sont premiers exportateurs de ça, de ça, de ça. Et tout ça, c'est beaucoup. Ça pèse beaucoup dans l'économie de l'Europe. L'Europe dépend vraiment de la Russie. Et nous, les Africains, on dépend vraiment de toutes les histoires qui viennent de l'étranger. Donc, toutes ces histoires ont un impact direct sur nous. Et vous, maintenant, d'un coup, comme ça, vous vous réveillez, vous dites maintenant que la Russie, on va vous enlever dans le système de SWIFT, on va vous enlever dans ce système ici, on va vous enlever ça. Et vous, les Africains, vous êtes en train de prendre des positions, vous êtes contents. Vous dites, oui, l'Occident a gagné, vous allez voir comment la Russie va perdre. Mais la Russie ne va pas perdre. Même si la Russie est complètement isolée. Disons que la Russie est complètement isolée, son GDP descend jusque même à zéro. Ce qui n'est pas le cas, mais exagérant même, et que son GDP descende même jusqu'à zéro. Vous croyez que la situation va s'arranger? La Russie, c'est toujours eux qui ont la plus grande réserve de gaz. C'est toujours eux qui seront toujours les producteurs de blé. C'est toujours eux qui seront en mesure, c'est eux qui ont cette infrastructure-là de donner au monde tout ce que nous avons maintenant, l'huile et toutes ces histoires. Si l'Europe ne veut plus dépendre de la Russie, ça veut dire que l'Europe devra maintenant faire ses propres investissements. L'Europe aura besoin maintenant de faire ses propres, construire ses propres infrastructures. Ça prend des années pour construire. Ce n'est pas des histoires que vous allez construire. Vous vous réveillez seulement aujourd'hui comme ça, vous construisez. Tout ça prend des années pour construire. Mais maintenant, non seulement l'Europe doit investir de l'argent, mais en même temps, les populations qui sont en Europe, parce qu'ils ont décidé de ne pas prendre les produits de la Russie, leur prix, les prix des biens vont commencer à augmenter. Et ça, maintenant, ça va toucher à l'économie européenne et ça va les impacter plus même que c'est en train d'impacter la Russie. Et c'est là que je vous dis que les sanctions, ce sont des histoires qui ne marchent pas. Parce que même si vous examinez ce problème du point de vue politique, disons que vous êtes les États-Unis dans ce problème. L'objectif des États-Unis, tout ce que les gens peuvent aussi vous analyser cette situation, vous allez voir clairement que l'objectif des États-Unis et de l'Europe, c'est de pouvoir influencer jusqu'à arriver même à la Russie. Et eux, ils espèrent qu'en influençant comme ça et en poussant la démocratie ou bien toutes leurs valeurs, eux, ils pensent qu'ils vont faire tomber des régimes qui étaient pro-communistes ou bien des histoires comme ça. Donc, leur stratégie, c'est faire grandir leur influence ou bien leurs idéologies vers la Russie et vers l'Asie. Donc, si ça c'est votre objectif, en sanctionnant la Russie, comment vous croyez que vous allez atteindre cet objectif? C'est là que je crois que les gens ne sont pas concentrés sur ça. Et même beaucoup d'Africains sont en train de penser, ils sont en train de dire que la Russie va perdre, la Russie va perdre, mais vous n'êtes pas concentrés sur l'objectif. L'objectif ici des Américains, c'est de pouvoir grandir leur influence. Parce que les sanctions, vraiment, ce sont des histoires qui sont counterproductives. Si vous êtes les États-Unis et que vous avez envie d'élargir votre influence en Asie ou bien la Russie,
Ça, c'est quelque chose que vous devez travailler petit à petit et hopefully, vous allez atteindre cet objectif. Parce que si vous êtes en train de chercher à vous imposer en Ukraine en forçant la Russie, là maintenant, ça nous emmène maintenant directement dans une situation de conflit. Et cette situation de conflit, comme je vous ai dit, c'est une situation qui ne peut pas se régler militairement. Parce que si ça part du point de vue militaire, directement, on entre en World War III. Et donc, c'est quelque chose qui doit se régler d'une façon diplomatique, où ils doivent s'asseoir et ils doivent commencer à parler et à voir comment ils peuvent résoudre ce problème. Mais eux, maintenant, au lieu de faire ça, au lieu de travailler maintenant sur la diplomatie, parce que bon, d'autres personnes se trouvent un peu plus puissants que d'autres, ils ont décidé maintenant d'utiliser maintenant l'économie. Les guerres maintenant sont devenues maintenant les guerres économiques. Et où je dis encore que c'est counterproductive, c'est parce que les États-Unis, en sanctionnant la Russie, non seulement vous croyez que la Russie va tomber, mais la Russie ne va pas tomber parce qu'il y a d'autres pays aussi qui regardent ce qui est en train de se passer. Vous voyez, vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite, vous avez des pays comme la Chine, vous avez des pays comme l'Inde et tous ces autres pays qui sont en voie de développement. Ils regardent ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de voir que si on s'aligne avec l'Europe et les États-Unis et qu'un jour on est en conflit entre eux, ces gens, ce qu'ils vont nous faire, ils vont faire la même chose qu'ils sont en train de faire à la Russie. Et pourquoi nous, on doit s'aligner avec ces gens? Donc l'influence que les États-Unis est en train de chercher à grandir vers la Russie, ça va jouer contre eux. Ces pays-là, au lieu de faire le commerce avec les États-Unis, et au lieu de faire le commerce avec l'Europe, eux, ils vont se retirer, ils vont commencer à faire le commerce entre eux. Même l'Inde va commencer à s'entendre avec la Chine, ils vont commencer à trouver des points communs, parce qu'ils savent que, ils ne peuvent plus dépendre aux États-Unis ou bien à l'Europe. Parce que si vos sanctions, si chaque fois que ces gens ne font pas ce que vous voulez qu'ils fassent, et vous les sanctionnez en arrachant leur argent, en faisant un peu en prenant un peu des mesures qui sont un peu des sanctions contre des autorités, ce sont des histoires vraiment ce sont des histoires qui demandent une certaine procédure. Mais vous, parce que vous êtes quand même powerful, vous vous imposez et vous êtes en train d'arracher toutes ces histoires. Les autres pays du monde regardent toutes ces histoires. Et eux, ils ne voudront pas être dans une situation où le jour qu'ils vont dire non aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils seront, ils seront traités comme la Russie. Et dans cette situation-là, vous allez voir que tous ces pays vont former un bloc. Donc maintenant, vous êtes en train de regarder ce qui est en train de se faire. Vous êtes en train de croire que la Russie est en train de perdre. Mais vous allez voir que overtime, c'est vrai que la Russie va souffrir peut-être économiquement. Mais la souffrance de la Russie, ce serait seulement la période de transition, où ils sont en train de transiter vers une indépendance un peu vers l'Europe, parce que l'Europe était leur client principal, et ils vont chercher à vendre leurs produits, leurs matières à d'autres personnes. Parce que la personne qui a les matières premières est toujours la personne qui va négocier en position de force. Vous ne pouvez pas isoler quelqu'un qui a les matières premières. Surtout quand vous avez les matières premières de la Russie. C'est difficile, c'est impossible, c'est presque impossible de les isoler. Donc c'est vraiment difficile d'isoler la Russie parce que c'est la Russie qui a toutes les matières premières. Si vous les isolez, les matières premières, ces matières premières, vous les aurez où? Non seulement vous devez trouver de l'argent, si vous êtes l'Europe, vous devez trouver de l'argent pour commencer à investir dans tout ça. Et vous allez faire la même erreur que vous avez fait en World War II, où vous êtes parti emprunter cet argent aux États-Unis. Donc les Européens vont commencer à s'endetter. Et si les Européens ne veulent pas s'endetter, ça veut dire que maintenant ils doivent trouver ces matières premières eux-mêmes. Et eux, ils n'ont pas ces matières premières. Et vous, les Africains, vous savez où l'Europe va toujours pour trouver les matières premières. Ça veut dire que la guerre économique qui est en train de se jouer aujourd'hui dans ce monde est une guerre qui est en train de se jouer, bien qui va se jouer en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est vous qui avez les matières premières que la Russie possède. Si l'Europe et les États-Unis disent qu'ils ne vont plus partir en Russie, ça veut dire qu'ils doivent commencer à dealer avec l'Afrique. Et les Africains, c'est ici maintenant que je trouve que les Africains sont distraits. Eux, ils sont dans les conflits de la guerre. Qui va gagner? C'est la Russie qui va. La Russie ne va pas perdre. La Russie a les matières premières. Il y aura toujours des gens qui voudront faire des business avec la Russie. Et donc, ils ne vont pas perdre. Ils pourront souffrir, mais ils ne vont pas perdre. Et c'est la même attitude que vous, les Africains, vous devez avoir.
Ici, maintenant, c'est là que l'Afrique doit comprendre qu'elle doit maintenant cesser de négocier en position de faiblesse. Parce que vous êtes en train de voir maintenant que les Européens, les ressources que les Européens peuvent avoir de la Russie, les Européens ne l'ont pas. Ils doivent faire des investissements. Vous, les Africains, vous, les leaders africains, ne négociez pas maintenant en position de faiblesse. Parce que vous avez des histoires que ces gens ont pris de vous depuis la colonisation. Et maintenant, c'est votre occasion de faire maintenant ce shift de power. Ce que vous n'avez pas encore réalisé, comme je le disais, vous êtes en pleine World War III. Et le World War III, c'est une guerre économique. Vous, maintenant, vous devez maintenant vous repositionner. Tout ce que vous avez perdu pendant la colonisation, mettez ça sur la table. Renégociez maintenant vos contrats parce que tous ces gens-là seront forcés à venir vers vous. Ces gens-là ne peuvent plus vous faire la guerre. Ces gens-là ne peuvent plus financer les groupes armés parce qu'ils n'ont plus ce pouvoir-là de faire tout. Pourquoi vous croyez que Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine maintenant? Parce que dans presque tous ces pays occidentaux et aux États-Unis, ce sont les élections qui sont en train de venir. Il sait que beaucoup de gens ne sont pas politiquement, la plupart de ces gens ne sont pas en mesure de réagir. Parce que leur vie politique dépend de ça. Et c'est là qu'il a attaqué. Et si les États-Unis ne veulent pas se lancer dans cette guerre militairement, vous croyez que c'est à cause de quelque chose d'autre ou bien quand le président des États-Unis vous dit que ça va déclencher le World War III, vous croyez que ce sont des petites histoires. Mais c'est vraiment ça la réalité. Parce que si aujourd'hui les États-Unis se lancent dans ce conflit, qu'est-ce que vous croyez que la Chine va faire? La Chine va directement envahir le Taïwan. C'est ça ce qui va se faire. Les États-Unis vont se retrouver en guerre en Europe. Ils vont se retrouver maintenant obligés de défendre Taïwan et ils seront maintenant obligés de défendre l'Europe. Donc, vous allez vous trouver dans une situation qui sera vraiment très difficile. Tous les pays qui ont des conflits avec d'autres pays vont décider maintenant d'envahir ces pays parce que ça sera leur window, c'est leur opportunité, leur temps d'opportunité de faire leur pas. C'est leur temps de donner le coup. Si maintenant l'Afrique a cette opportunité de donner un coup, c'est maintenant. Si vous, l'Afrique, pendant tout ce temps, vous n'avez jamais été en mesure de donner un coup à l'Europe ou bien de répliquer à l'Europe, le temps est maintenant. L'Europe est complètement affaiblie parce que l'Europe a refusé de dealer avec la Russie. Et vous, maintenant, ça veut dire que l'Europe est obligée pour sa survie, elle est obligée maintenant de dealer avec l'Afrique. Si elle ne deal pas avec l'Afrique, elle est obligée d'aller vers les États-Unis et prendre des prêts pour commencer à investir. Et ça, c'est quelque chose que les Africains doivent commencer à comprendre quand vous êtes en train de penser de stratégie. Ça, vraiment, la situation maintenant dans ce monde, c'est vrai que les prix des biens vont commencer à augmenter en Afrique, mais la situation dans le monde est plus que ça. Parce que nous, les Africains, nous sommes quand même habitués dans la souffrance. Ces gens vont venir et ils vont vous dire que, OK, on va installer nos entreprises ici, dans vos pays africains, mais vous ne les laissez pas partir avec tout le pourcentage. Vous exigez un grand pourcentage de ces entreprises parce que maintenant vous êtes en train de négocier sur position de force. Ne les laissez pas venir dans vos pays et s'accaparer de toutes vos terres, installer leurs industries et refuser de vous payer les taxes. Ça, c'est quelque chose que vous devez refuser de faire. Vous avez fait ça avec beaucoup de contrats miniers. Maintenant, les contrats qui vont venir vers vous, ce sera des contrats vers le gaz, ce sera des contrats agricoles parce qu'ils ne peuvent pas avoir beaucoup de choses de la Russie ou bien de l'Ukraine. Donc, ils vont commencer à se retourner vers l'Afrique. Les Africains doivent maintenant comprendre que vous êtes dans une position de force. Exigez maintenant que quand ils viennent avec leurs entreprises et ils s'installent maintenant en Afrique, vous prenez maintenant le contrôle de ces entreprises. Exigez la grande part du gâteau et c'est comme ça que vous allez changer les choses. Ils ont beaucoup des histoires de biens, des arts qu'ils avaient volés au temps de la colonisation. Mettez ça dans vos contrats. Exigez qu'ils puissent retourner tous les biens de l'Afrique avant que vous puissiez signer certains contrats. Maintenant, l'Europe est dans une position de faiblesse. Et c'est ça qui est la chose la plus importante pour les Africains. Vous êtes toujours plein de l'Europe, vous êtes toujours plein de la France, vous êtes toujours plein de tous ces pays qui s'imposent en Afrique. Et tous ces pays, maintenant, ils sont tous focalisés sur la Russie et ils sont tous focalisés sur les États-Unis parce qu'ils ont besoin de prêts. Vous, maintenant, au lieu d'attendre les retombées de toutes ces histoires, organisez-vous, soyez plus indépendants. Parce que l'Afrique est le seul continent qui peut se prendre en charge lui-même sans dépendre des autres continents. Ça, c'est quelque chose que vous, les Africains, vous devez réaliser maintenant.
Commencez maintenant à penser à des solutions africaines. Développez maintenant vos économies. Quand ces contrats viennent maintenant, parce que ces gens sont forcés de dealer avec vous, exigez la grande part du gâteau. Et c'est comme ça que vous allez shifter le power vers l'Afrique pour le siècle qui vient. Ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est vraiment la chute de l'Europe. Parce que la Russie, eux, ils seront OK. La Russie a des ressources. Eux-mêmes, avec les sanctions, ils vont souffrir. Mais eux, long terme, ils seront OK. Ils vont dealer avec la Chine, ils vont dealer avec l'Iran, avec tous ces pays, l'Inde et tout ça. Donc la Russie, eux, ils auront toujours des gens à qui vendre. Ils vont dealer avec les pays de l'Amérique latine. Ils ont des gens à qui vendre leurs produits. Donc ne vous souciez pas de la Russie. La Russie sera OK. Le problème ici dans tout ça, dans l'équation ici, quand vous regardez tout le monde, le problème ici, c'est l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe va faire? Et c'est ça que les Africains maintenant doivent maintenant prêter attention. Regardez maintenant la stratégie de l'Europe et maintenant pensez maintenant à la stratégie africaine. Donc moi, ce que je veux demander aux Africains est de vraiment vous focaliser sur l'Afrique. Ne regardez pas qui va gagner ce conflit entre l'Ukraine et la Russie ou bien l'OTAN et la Russie. Ça, ce n'est pas un conflit qui est important pour les Africains. Regardez vos guerres. Il y a une raison pour laquelle vos guerres, personne n'en parle. La raison pour laquelle les gens du monde ne parlent pas de vos guerres, c'est parce que vos guerres n'ont pas d'impact sur l'économie du monde. Les gens aujourd'hui sont en train de parler de la Russie et de l'Ukraine parce que quand ces deux pays se battent, le monde est en train de sentir ça économiquement. Et ça, c'est quelque chose que les Africains doivent commencer à comprendre. Vous êtes en train toujours de parler des partenaires, parler de nous, parler de nos conflits, des groupes armés. Venez nous aider pour nos groupes armés. Les gens ne parlent pas de vos groupes armés. Les gens ne parlent pas de vos guerres. Les gens ne parlent pas de vos morts parce que vos conflits n'impactent pas économiquement les autres pays. Vos conflits en Afrique, ça n'impacte pas la France. Et le conflit en Ukraine et en Asie, l'Ukraine et la Russie, c'est en train d'impacter la France. Et ça touche la poche de la France. Et c'est ça que vous devez comprendre. Maintenant, la France doit commencer, et avec tous les autres pays européens, ils doivent maintenant commencer à trouver une façon de vivre sans la Russie. Et c'est presque impossible pour eux de le faire sans maintenant passer par l'Afrique. Et c'est là maintenant que l'Afrique devient très, très importante. C'est là maintenant que les dirigeants africains doivent maintenant saisir ce moment parce que c'est ce shift-là, vous êtes en train de vivre ce shift-là vers la croissance de l'Afrique. Si vous saisissez bien cette opportunité, vous allez voir que dans un siècle, dans deux siècles, l'Afrique pourra être l'un des continents les plus puissants du monde. Ooh.